voici un nouvel accord, le La. Pour jouer l'accord La, tu as le diagramme qui est dessiné dans la méthode. N'oublie pas, quand tu lis le diagramme, le trait de gauche correspond à la corde de Mi grave, le trait de droite correspond à la corde de Mi aigu, et puis toujours les traits horizontaux pour les barrettes. Donc quand je joue l'accord La, je dois placer mes doigts 1, 2 et 3, index majeur et annulaire, en deuxième case, sur les cordes Ré, Sol et Si. Voilà donc le La. Dans le petit exercice, nous allons faire un rythme avec la main droite. Je prends mon médiator, tu auras vu que sur la partition au-dessus des notes, il y a les deux signes qui indiquent si on joue vers le bas ou vers le haut. Et donc mon rythme va faire bas, bas, haut, bas, bas. Si j'enchaîne plusieurs fois le rythme, bas, bas, haut, bas, 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 haut, bas, 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 haut, bas, bas. C'est important de bien s'entraîner comme ça, parce qu'après on va changer d'accord dans le morceau, et quand on change d'accord, parfois on perd un peu de temps, c'est normal, il faut s'habituer, prendre le temps de placer les doigts entre le La et le deuxième accord du morceau, le Mi mineur. Deux fois le La, une fois le Mi mineur, et une fois le La pour terminer. Entraîne-toi bien régulièrement et surtout n'oublie pas, si tu as du mal à passer d'un accord à un autre, c'est normal, on a tous mis beaucoup de temps à réussir à placer nos doigts pour faire les accords. Donc prends ton temps, entraîne-toi et du coup, travaille aussi le rythme, même sans faire les accords, pour que ta main droite s'habitue à faire le rythme.